just going home. Have a late, late show. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à Bali. Je me suis dit qu'au milieu des vlogs, on va dire, de voyage, j'allais vous faire des vidéos plus chill, en mode je vous raconte ma journée, je vous emmène une journée avec nous. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous emmener une journée dans notre vie à Bali. Il faut savoir que là, on est à Uluwatu et on est dans un appart incroyable. Enfin, en gros, c'est 3 chambres. Au milieu, il y a une piscine et tout. On paye genre même pas 10 euros par nuit par personne. Là, il est déjà un peu tard. Il est 11h55. On s'est levé à 11h. D'habitude, on se lève un peu plus tôt. Mais hier, on s'est couché genre à 4h du mat. On n'est pas rentré si tard. On a parlé de ouf le soir et tout, donc on s'est couché tard. Et là, je me suis dit que j'allais me faire une petite séance de sport parce que j'ai un peu de temps. Voilà, aujourd'hui, on va pas nécessairement faire de visite ou quoi. Sarah, elle va à l'hôpital parce qu'elle s'est blessée en scooter. Nous, on reste là pour travailler et voilà, on n'a plus les scooters non plus, on les a rendus. Cet après-midi, il y a des gens qu'on a rencontrés qui viennent faire un petit before à l'appart. Et ce soir, normalement, on va en boîte. Et je vais essayer entre ces deux trucs, bah, soit de bosser un peu mon montage, soit de faire mon dossier pour les cours parce que j'ai un gros dossier à faire. Donc voilà, j'aimerais bien avancer aussi sur les cours parce que c'est un peu la sauce et aussi j'ai pas mal de trucs à vous raconter, des nouvelles à vous dire. Je fais ma séance de sport, je me lave et je vous raconte. Les filles dans tes bras, tout va très vite, le sais-tu, même les Covid ne mettent plus, sans ces rites, point de salut, je me délite à des vues. Est-ce que la malle, je broie du noir, je suis tout pâle, il faut le croire, et la morale de cette histoire, c'est que je m'étale sur le trottoir. Quart d'heure américain, je connais déjà la fin, pas besoin de m'inviter à danser ce soir. Quart d'heure américain, je connais déjà la fin. Pas besoin de m'inviter à danser ce soir. Le reflet de ton corps ce soir sur la boule à facettes. Yeah, yeah. Hello les gars, alors là j'ai pas du tout travaillé. J'ai retouché les photos et je suis avec Sarah. Et on va faire une petite pool party. Donc normalement il y a 18 personnes mais il fait pas beau. Donc un peu problématique. Vous pouvez dire à Shira et Martin de nous aider parce qu'on en a marre de tout faire en fait. Ouais, mettez en commentaire Shira, Martin. Genre Sarah, aidez-nous à faire la vaisselle et tout. Et les trucs chiants. Je vais vous montrer notre propriété. Comme ça vous allez voir un petit peu où nous vivons. Ici ma chambre avec Manoun. Là, comme ça. Voilà. Ici voilà mon outfit. Là-haut c'est la chambre de Martin. C'est pas très intéressant. Petit miroir et autre toilette, très cool pour la pool party puisque c'est en extérieur. Ici donc notre petite piscine, la petite cuisine avec Sarah qui fait la vaisselle à la place de Cher et Martin. Ici, en vrai j'ai fait la vaisselle aussi, ne vous inquiétez pas. Une autre salle de bain, très extérieure, très stylée. Et là-haut, ici petite vue et là la chambre des filles. Voilà, donc plutôt stylé, on aime beaucoup. Là, on a pris le petit brunch. Ça, je vais vous montrer ce que t'as pris. Hier, on a fait une pool party et c'était très cool. Et il y a pas autant de fric que ça. Ouais. Ouais. Il y a pas mal de monde. Bah, même moi, j'ai la même chose que toi. Mais en vrai, tu vois, ça, j'ai la même chose que toi. Mais pourquoi j'ai pas ça? Mais même moi, je sais pas pourquoi. Mais parce que vous avez pas pris le même truc, ce que je vous ai dit. Genre, Sarah, elle a pris le truc avec le 20 000 euros. Et genre, donc oui, on a fait un truc. Et Shira, elle a décalé en boîte. C'est une petite faux folle. Ouais, après, on est parti en chicha. C'était trop bien. En chicha. Franchement, c'était vraiment hier soir, c'était n'importe quoi. Genre, ouais. Et donc là, on a commandé. Moi, j'ai commandé un smoothie, mais il est moins stylé que sur les photos Insta. Mais non, mais tu peux le rendre stylé. Là. Et on est en train de préparer pour faire comme un petit déj. Moi, j'ai pris des petits fruits. Bon, je pensais que j'allais en avoir plus, mais c'est pas grave. Et heureusement que du coup j'ai pris un gros sandwich au fromage et aux œufs. Et on va faire le petit déjeuner avec les bails de la vie. En plus il est super tard. Donc là on va préparer le petit déj et après ils vont aller faire du surf. Et moi je vais essayer de trouver un café pour me poser. Petite dégustation. On va voir si c'est bon. Oh, c'est trop bon. Il a la tête dans les nuages, le petit garçon au premier rang. Il fait du bruit avec sa bouche, on va devoir convoquer ses parents. Il fait ses devoirs, c'est bien, il a les notes qui suivent. Mais j'aimerais bien qu'en classe, il prenne un peu moins de temps.
Coucou les gars, je vous retrouve quasi une semaine après. C'est vrai que ça fait pas mal de temps. J'ai pas pu finir mon vlog en fait. Il y a eu plein de trucs et surtout j'ai été malade et donc je me sentais pas du tout de filmer. C'est super compliqué de vous trouver le temps à chaque fois de filmer parce qu'il y a plein de monde autour de moi, il y a toujours des gens avec moi et genre j'arrive pas toujours. Donc je suis vraiment désolée parce que pendant quelques mois là ça va être... Enfin, pendant 2 mois, les vidéos elles vont être un peu décousues, enfin dans le sens où genre j'essaie de faire au mieux, mais je peux pas faire au max non plus parce que c'est compliqué. Donc je voulais juste vous tenir un peu au courant de ma vie parce qu'il y a pas mal de updates qui sont assez cool finalement. Donc pour ceux qui ont un petit peu suivi, voilà, je pars 2 mois à Bali et j'étais à la recherche d'un stage. C'était un truc qui me stressait beaucoup, voilà, un stage de base à l'étranger. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie d'être peut-être plus proche de mes potes, enfin de pas forcément partir à l'étranger pour plein de raisons. Je vous avoue que j'étais un peu traumatisée par le voyage en Thaïlande. C'est pour ça que j'ai décidé de chercher à Paris et j'ai trouvé un stage dans la communication et le marketing digital. Au début, je cherchais dans une agence d'influence et c'est toujours ce que j'aimerais faire genre en deuxième stage. Mais c'est vrai que c'était super compliqué et j'ai eu une opportunité dans un truc qui m'intéressait beaucoup. Je sais pas si je vous en parlerai, mais bref. Donc la semaine dernière, j'ai eu la confirmation que je faisais ce stage à Paris, donc trop contente parce que voilà, genre ça m'intéresse beaucoup, donc je suis hyper heureuse, donc je vais faire de la communication, du marketing digital et tout. Ensuite, 3 jours après, j'ai eu une extrêmement bonne nouvelle, genre je ne pensais pas l'avoir, c'est que j'ai été acceptée dans la filière en alternance à mon école. Pour vous expliquer un peu, je suis à l'ISEG et il y a très peu de places en alternance, en vrai c'est pas une école qui est réputée pour son alternance, et j'avais postulé cette année, mais en faisant une demande en gros de report à l'année prochaine. C'est un peu compliqué, mais l'an prochain, là, je fais une césure pour faire mes stages et ensuite, j'intègre le master en alternance. Sauf que je pensais vraiment pas l'avoir maintenant et je pensais avoir à refaire la demande l'année prochaine puisque j'avais pas d'entreprise, j'avais pas forcément voilà, de trucs hyper concrets puisque c'est dans 1 an. Et voilà, j'ai vraiment genre postulé un peu sur un coup de tête parce que c'est le programme que je veux faire depuis plusieurs années. Et bah, j'ai été prise. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est grâce à YouTube parce que bah, voilà, l'entretien, c'est basé principalement sur ma chaîne YouTube et sur ce que je faisais sur YouTube. Mais je suis hyper heureuse parce que je me dis, ouais, le taf que j'ai fait toutes ces années, tout ce que j'ai fait sur YouTube, même si bah, dans des moments comme aujourd'hui ou dans d'autres moments, j'ai vraiment du mal et je me dis, ce que je fais, c'est de la merde, c'est pas du tout aussi bien que ce que j'aimerais parce que j'ai pas le temps, j'ai pas forcément le matos que je voudrais. Bah pourtant, ça m'apporte des trucs hyper positifs comme ça. Donc la filière en alternance, c'est un truc très intense, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, donc hard, vraiment, genre, c'est trop bien. On te paye ta scolarité, on te paye en plus, et en plus c'est une expérience incroyable, donc je suis très heureuse. Donc ça, c'est pas pour l'an prochain, c'est pour l'année d'après. Et donc j'ai eu encore une bonne nouvelle la même semaine, qui est que j'ai un appartement à Paris. Je vous avoue que j'avais un peu peur pour l'appart parce que je sais que trouver un appart à Paris, c'est impossible, genre c'est une grosse galère et tout, et c'était un peu ma peur, sachant que, pour être totalement transparente avec vous, j'avais pas un budget énorme, dans le sens où mon maximum c'était genre 700 euros. Je sais que ça paraît énorme, mais sur Paris c'est pas tant que ça, en mode voilà, je compte mettre une partie bah, de mon salaire, même si je suis très peu payée en stage, mais voilà, dans ce logement. Mais je pouvais pas plus parce que bah, j'ai aussi besoin d'argent pour vivre et tout. Et finalement, grâce à une de mes potes qui m'a donné un contact, j'ai trouvé un appart trop bien placé. Donc c'est un appart qui fait 15 mètres carrés, qui est pas énorme et tout, mais 6e étage sans ascenseur. Mais c'est incroyable, genre vraiment. Là, j'étais tellement heureuse, je l'ai eu comme ça. J'emménage à Paris alors pour minimum 6 mois à 1 an et peut-être plus en juillet. Je vous avoue que... En fait, toutes ces bonnes nouvelles, ça m'a énormément soulagée par rapport au fait que, bah voilà, enfin, ça faisait beaucoup de trucs incertains. Après, genre, j'étais grave heureuse, mais j'arrivais pas à être pleinement heureuse, mais bref, je pense que c'est normal, hein. Enfin, genre, c'est normal. Voilà, je suis contente parce que ça va me faire un nouveau départ. J'avais pas nécessairement envie de retourner à Lille, même si Lille, c'est une ville que j'ai adorée. Enfin, j'y retournerai pour mon master, mais comment vous dire que là, il y a trop de trucs toxiques à Lille, et il y a trop de trucs qui me... Enfin... qui me hérisse les poils, bref. Et je suis hyper contente parce que j'ai plein d'amis à Paris de l'ISEC qui, eux, ont fini quasiment l'ISEC, qui sont un peu plus vieux que moi, et qui seront à Paris. Et j'espère que je vais pouvoir travailler, et vraiment, j'espère que mon stage va me plaire. Genre, c'est ce que j'espère le plus. Et j'ai envie de, voilà, profiter à Paris, de vous proposer aussi du contenu un peu différent et de vivre ma petite vie parisienne, parce que Paris, c'est une ville que j'ai toujours voulu découvrir, où j'ai toujours voulu vivre. Et je me rends compte que là, les étoiles s'alignent enfin un peu. Donc voilà, je dirais que la roue tourne un peu, que j'ai bien morflé, mais que j'ai aussi des trucs positifs qui m'arrivent et c'est aussi important de partager les trucs positifs. Et donc voilà, au niveau des cours, pour faire un update, c'est un peu la merde. Genre, j'ai pas pu faire un examen par exemple parce que
je n'avais pas de Windows et que tu pouvais pas faire l'examen sur Mac. Mais je suis en mode, les gars, j'ai eu un Windows pendant 5 ans, je viens de me racheter un ordi, c'est pas pour me racheter un Windows parce que vous faites des examens pas compatibles sur Mac. Donc voilà, c'est un peu la merde, je vous avoue que j'espère que je vais réussir à valider mon échange parce que sinon c'est genre le pire bourbier que je peux avoir. Mais voilà, en tout cas, Bali, c'est très très cool, j'adore ça. Et vraiment, j'espère que vous aimez le contenu. Je voulais vous dire aussi, sur YouTube, je suis pas hyper présente, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, voilà, Insta, je partage vraiment tous les jours des photos, des vidéos, parce que c'est un peu plus simple pour moi au niveau du temps, en fait, à passer sur Insta. Enfin, genre, je peux taffer un peu plus, voilà, un petit peu tous les soirs, qu'une vidéo, bah, il me faut beaucoup, beaucoup d'heures, et donc j'essaierai de peut-être les sortir un petit peu en décalé, genre parfois plusieurs semaines de décalé, mais j'essaie de faire au mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme contenu, genre, si vous voulez voir des journées dans mon assiette, une journée de ma peau, des vidéos genre vraiment de mon quotidien à Bali, n'hésitez pas parce que franchement, je pense en faire un peu plus. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bye la mif.